Bonjour à tous. Nouvelle vidéo Trivial Musique. Je tire 10 questions au sort tirées du Trivial Poursuite édition Baby Boomer. 15 secondes à chaque fois pour répondre à chaque question. Et je ne prends que les questions musique. Voilà. Et j'essaye de faire quelque chose de correct. C'est ce qui m'arrive rarement. C'est parti. Qui chantait Mon ami la rose? Ah ben, ça commence mal. Qui chantait Mon ami la rose? Wow. Ça fait penser à un vieux truc. Parce que c'est des. Mon ami la rose, c'est. Je vais dire. Je vais dire Charles Trenet, pourquoi pas. Il a fait beaucoup de chansons, Charles Trenet. Mais. Oh, Françoise Hardy. Ah ben, j'y étais pas du tout. Françoise Hardy, elle avait chanté ça. Bon, je connais pas le répertoire de Françoise Hardy. Elle fait tirer pas sur l'ambulance ou un truc comme ça. Elle fait un petit truc comme ça, qui est plus années 80. Mais je connais très mal. Qui fut le partenaire de Johnny S de 1934 à 1936? Oh non, mais non, de 34 à 36. Oh. Ah déjà Johnny S, je ne connais absolument pas. Et de 1934 à 36, qui c'est que je peux sortir là? Oh là 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 là. Avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc une américaine, c'est sûrement une femme américaine. Ah non, qui fut le partenaire, donc c'est un homme. Johnny S. Oh, qui c'est qu'il y avait 34, 36? Waouh. Fred Astaire? Je suis Fred Astaire, mais Fred Astaire, il. J'en sais rien. Oh, pardon. Oh, Charles Trenet! Oh, ça alors, et j'ai pas fait exprès. J'ai répondu tout à l'heure Charles Trenet, et la deuxième question, la réponse était Charles Trenet. Alors ça, on va croire que je triche. C'est Charles Trenet avec Johnny S. Bon, alors ça, alors là. Je savais pas qu'il avait fait un duo, Charles Trenet. Bon. Avec qui Sylvie Vartan? Oh, on n'en sort pas. Tomba-t-elle en panne d'essence? Oh putain, c'est que des duos. Avec qui Sylvie Vartan tomba-t-elle en panne d'essence? Ouais, là, pareil, c'est les yéyés. C'est franchement pas ma tasse de thé. Même si c'est une époque sympa, mais ouais, c'est pas ce que j'écoute. Hein. Et qui c'est Vartan tomba-t-elle en panne d'essence? Vartan, avec Johnny Hallyday? Mais oui, bien sûr. Oh, avec Frankie Jordan. Oh là, mais là, là, avec Frankie Jordan. C'est un illustre oublié, Frankie Jordan. Oh, purée. On va tirer un peu au fond. Parce que là. Qui est le Voodoo Child? J'espère qu'il parle de l'interprète. Ah, mais a fait la mise au point. Qui est le Voodoo Child? Alors, je sais qui interprète. J'espère que ça n'a pas une signification autre. On va attendre la fin des 15 secondes. Ah, c'est Jimi Hendrix. Et je crois d'ailleurs que ça a été repris par Softcell, à vérifier. Hendrix. Jimi Hendrix! Ah! Allez, ça y est. On est parti pour les bonnes réponses. Pas trop tard, pas trop tôt. Qui était le roi du Madison? Oh putain, un purée. Qui était le roi du Madison?
il faisait la mise au point plus vite. Le roi du Madison. Oh là 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 là. Qui c'est qu'il y avait? Je sais même pas si on cherche un Français, un Américain. Il y a un nom que je cherche, mais ça me revient pas comme ça. Le Madison. Qui c'est qu'il peut y avoir? Je sais pas, le roi du Madison. Je donne ma langue au chat. Oh non, Billy Bridge. Oh, je connais absolument pas Billy Bridge. Hop, 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 on va venir vers le début. Qui fut l'acide queen dans la version filmée de Tommy? Ah, oh, mais non, mais Tommy, j'ai jamais vu Tommy, j'ai jamais écouté Tommy. L'acide queen. Alors, dans la version filmée de Tommy. Comment il s'appelait l'homme aux lunettes là, il collectionnait les lunettes. Ah, son nom me revient même pas. Elton John. Est-ce que Elton John fut à l'acide queen? Il est homosexuel, alors je sais pas. Oh, Tina Turner. Tina Turner a joué dans Tommy. Alors je savais pas. Alors ça, jamais j'aurais cru que Tina Turner avait joué dans Tommy. Bon, on apprend des choses. Oh, 5 mauvaises réponses. Ah voilà, ben c'est cata, hein. Quel est le nom du groupe formé par Barry, Robin et Maurice Gibb? Jamais entendu parler de ces trois lascars. Alors, BRMG. Oh, j'essaye de faire avec les noms, avec les lettres, avec les initiales. Barry, Robin et Maurice Gibbs. Ah, mais c'est peut-être les Gibson Brothers? Ah, mais j'ai les Gibson Brothers. Ah, c'est les Bee Gees. Oh non, c'est les Bee Gees. Comment ils s'appelaient? Ah, c'était trois frères, les Bee Gees. Ouais, je croyais qu'il y avait deux frères, mais je ne savais même pas qu'ils étaient trois. Barry, Robin et Maurice. Ah, bah non. Oh, je croyais que les Gibson Brothers, ça sonnait bien. Bon. Oh non, voilà, là, je veux pas la poster de vidéo. Sur quel album de Pink Floyd? Ah, ça va mieux, Pink Floyd. Voit-on une vache en couverture? Ah, il faut retrouver le nom là. Sur quel album de Pink Floyd voit-on une vache en couverture? Alors, je me concentre. Ouais, je pense savoir. Je pensais à Meddle au départ, mais non, je crois que c'est Atom Heart Mover, je crois. Ah, j'ai un doute, hein. Oh purée, si c'est. Non, c'est pas Meddle. Non, Meddle, c'est autre chose. Non, je crois que c'est Atom Heart Mover. Alors, je la vois, hein, je l'ai le disque, hein. Atom Heart Mover. Atom Heart Mover. Ouf. Ah, je n'étais pas certain à 100%. Hein. À quel groupe le film The Last Waltz est-il consacré? Oh, j'en ai entendu parler de ce film. Et je vois la pochette du disque que je n'ai pas, parce que je n'écoute pas ça. The Last Waltz. La dernière valse. Bah, mais là je sais pas du tout. Quand je vais lire la réponse, je vais dire ah oui.
Pourquoi pas Fleetwood Mac, Foreigner, Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, je sais pas. Ah, The Band. Bah, on avait déjà une question avec The Band. C'était qui avait joué avec avec Bob Dylan. C'était The Band. Ah, donc ils ont fait. Il y a eu un film qui leur a été consacré. Bon, bah, je sais pas. Alors là, bon, ça. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oh là 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 là. On va essayer de faire au moins une bonne réponse pour terminer en beauté. Qui était l'interprète de Fais-moi mal, Johnny? Oh là 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 là. Fais-moi mal, Johnny. Ah, c'est une femme qui chante ça. Fais-moi mal, Johnny. Mais alors, qui c'est? Dans les chansons réalistes. Fais-moi mal, Johnny. Oh, j'ai su ça. Mais là, Barbara? Non, c'est pas Barbara, je pense pas. Ah, je sais pas. Quand je vais dire la réponse, je vais dire ah oui. Je dis Barbara, mais c'est pas elle. Vivienne quelque chose? Non. Oh, Magali Noël. Oh là là, ouais, non, mais là. Wow, pour se souvenir de Magali Noël. Quand je dis le nom, ouais, ça me parle vaguement, mais ouais, j'aurais jamais trouvé, honnêtement. Il n'y a même plus de place pour mettre les mauvaises réponses. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mauvaises réponses, 2 bonnes réponses. Bah, c'était ardu, hein. Bon, enfin, moi, j'ai trouvé vraiment là, voilà, les questions. Bon, bah, j'espère que vous avez fait mieux, et en même temps, je pense que vous avez pu faire que mieux, hein. Vous n'avez pas pu faire pire, hein. Et je vous dis à une prochaine, merci.